Hey, salut tout le monde, c'est Marcus. Alors, Marcus alias Miss Kinimike, que vous y voyez normalement sur le côté là, en vertical ou horizontal, ouais, en vertical. Alors, d'accord, m'agresse pas, hein, je suis juste en train de tourner une vidéo. De toute façon, j'ai gagné déjà la course, alors, enfin, la vidéo. Alors là, aujourd'hui, je vais vous présenter les carbones. Donc, voilà. Alors là, j'ai trois carbones. La X12, la X12 carbone qui est ici. La GT Concept carbone. Et la la Carbon Aquer. Je sais pas comment prononcer ce nom. Donc je vais vous les montrer bien sûr. Je vais pas faire ma pute. Donc voilà. Pour mon histoire sur mes chaînes et tout, et pourquoi j'ai changé autant de chaînes, pourquoi ci, pourquoi ça, je vous invite à faire un FAQ. Voilà. À aussi vous rejoindre, à rejoindre ma page, mon Facebook, qui est écrit dans la description. Donc voilà. Et puis c'est tout. Donc voilà. La GT Concept Carbone qui est ici. Bon, c'est une GT Concept, rien de spécial. À part qu'elle me fait énormément penser à la GT Concept Network. Voilà, je sais même pas comment vous prononcez ça non plus. Et la Carbon Hawker. Hawker, je sais pas, Montgomery Hawker. Donc, c'est celle-là. Donc, je vais tous les tester. Si ça se trouve, ça sera en plusieurs vidéos. Donc, si ça sera en plusieurs vidéos, ça veut dire que ça veut dire que, ben oui, donc que les vidéos sont trop longues, donc je ferai en vidéo, donc en plusieurs vidéos, donc une vidéo par voiture, et je vous dirai à la fin des vidéos, si j'ai le temps, ou sinon en une seule vidéo, les caractéristiques des voitures, si elles ont changé, si elles ont pas changé, donc voilà. Alors celle-là, la X12, on la récupère en faisant tous les sauts de Paradise City. Donc moi je les essaye toujours à la normale, j'essaye toujours comme ça. Voilà. En road rage. J'aime quand il y a du son. Par contre j'aime bien son moteur à la X12, donc dégage. Donc voilà. Je ne suis pas un joueur pour info de Xbox. Si je suis sur Xbox, c'est parce que ma PS3 elle est morte. Putain de merde. Ma PS3 elle est morte. Donc voilà. C'est que ma PS3 elle a lâché. Elle est morte en fait. Donc faut que je m'en rachète une autre. Donc j'ai toujours tous mes jeux de PS3. Toujours mes jeux de PS3 et non mais putain c'est pas possible, putain elle est ultra légère cette pétasse, putain c'est, en fait elle est compliquée à gérer parce qu'elle est encore plus légère que les X12. Déjà les X12 ont une réputation comme quoi elles sont légères. Et celle-là, elle est encore plus légère et plus rapide. Donc, on se prend un slam, quoi. C'est la merde assurée, quoi. Voilà. Et après, le jeu, il fait avec son petit bâtard, il fait bien spawner les voitures devant votre gueule. Donc, voilà. Ça, j'aime pas. Putain, je sais pas là, je vais...
Laissez-moi tranquille. Putain, mais c'est pas possible. Elle est trop galère à jouer. Elle est trop légère. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. C'est vraiment, elle est trop légère la voiture. Mais beaucoup trop légère. Je peux pas, je peux pas. On va tenter une autre épreuve. Enfin, là, on va tenter, on va réessayer. Bon. Après 3 essais que je viens de faire, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Mon record c'est 10. Là, dans mon... c'est 10. J'y arrive vraiment pas. Alors, j'ai qu'une chose à dire, les gens qui arrivent à piloter la X12 carbone, voilà, c'est des BG de la vie, hein, parce que moi, j'y arrive vraiment pas. J'arrive à piloter certaines voitures super légères, voilà, mais la X12, elle est beaucoup, mais beaucoup, beaucoup trop légère. Je n'y arrive pas. Le moindre virage que je fais, elle dérape. Je n'y arrive vraiment pas. C'est abusé, je prends un truc, je crève, c'est impossible, je n'y arrive pas. Alors franchement, je dis bravo à vous les gens qui arrivent à piloter la GT Carbone. N'hésitez pas à me montrer comment vous faites, parce que moi j'y arrive pas. Je galère comme un cochon, vous voyez le nombre de murs que je prends, j'arrive pas à faire un saut normal. Voilà, c'est pas du mytho, hein. Moi je joue pas comme ça, moi je fais 145 takedown maximum, sur Xbox, hein, sachant que je suis sur Xbox, et que ça fait longtemps que j'ai arrêté Burnout, donc j'ai fait 145 takedown, regardez, enfin je sais pas si vous le voyez d'ici, je vais faire un petit zoom. Donc voilà, 145 takedown. Donc voyez-vous, je ne mentais pas. Et je vous ai dit, c'est avec la cavalerie, la toute première voiture du jeu. Donc voilà, je ne vous mens pas. C'est des purs. Ok, c'est pas du mensonge. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va le faire en plusieurs parties. Donc GT Concept, Carb X12 et Aquar. Alors je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo de Burnout Paradise City. Voilà. Alors n'hésitez pas à poser des commentaires pour les voitures ou que vous voulez que je joue. Avec lesquels vous voulez que je joue. Sachant que sur Xbox, j'ai PES 2013, j'ai Forza, j'ai FIFA 15, j'ai Call of Duty Advanced Warfare et SSX sous Calibur 4 et Marvel Lego. Donc n'hésitez pas à me demander quel jeu que vous voulez que je fasse sur Xbox. Donc voilà. Bon, ben on se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.